Voilà, c'est une très très belle édition. Je suis extrêmement touché par cette édition. Beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de gens, beaucoup de soleil. Tu sais, moi j'ai un attachement un peu personnel avec Idir. Idir, c'est celui qui nous a sauvé la première édition parce qu'il avait remplacé au pied levé Cheikh Harimiti décédé quelques semaines plus tôt. Il avait déplacé un concert qu'il donnait en Espagne pour être avec nous la première édition. Il était revenu 5 ans après. Et là, c'était important quand même de l'avoir pour cette édition. Et voilà, c'est un artiste chaleureux, un artiste d'une telle bonté d'âme, et vraiment, et tu vois, le public qui fédère, c'est à l'image de ce que le festival veut véhiculer, et ça nous va bien, quoi. De clôturer cette 12e édition par Idir et sa fille, quelle merveille, mon Dieu. On n'a pas eu le FN, mais il n'est pas passé loin, hein. Donc ok, donc la résistance culturelle, la résistance citoyenne, mais j'insiste là-dessus, parce qu'il a fait quand même un score un peu élevé quand même, et dans notre département, notre beau département, plein de soleil, plein de générosité, cette terre d'asile et d'accueil, ben le Front National il fait quand même des scores assez impressionnants, donc on a résisté, on continuera de résister, les vraies valeurs de la République ont triomphé de l'obscurantisme, et ça me va très bien, donc il faut continuer, le combat continue et on est là et ils peuvent compter sur nous, hein. Vraiment, on est là et ça va être dur de nous bouger, vraiment. Ah ben ouais, et je peux le donner en exclusivité au Courrier de l'Atlas. L'édition de l'année prochaine aura comme thème Diaspora, les bienfaits de l'immigration, tout ce que l'immigration a apporté à ce pays et beaucoup beaucoup de choses positives. Voilà. Merci beaucoup, Abid. Merci à tous et restez connectés. I'm not afraid to die.